Eh bien salut, c'est Albobino, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais te donner des conseils pour monter plus facilement et plus rapidement en champion. Si tu es nouveau, nouvelle, pense à t'abonner et moi je te souhaite un bon visionnage. Pour commencer, on va parler des points, donc tout ce qui est points de top et points de kill. Déjà, faut savoir que si vous faites un top 1 avec 0 kill, vous pouvez avoir 185 points et 175 quand vous êtes champion. Et je trouve que c'est vraiment énorme cette saison. Et au niveau des kills, ça dépend des divisions, mais ça varie entre 15 et 5 points. Donc comme tu peux le voir, les points de top sont beaucoup plus avantageux pour monter champion, et si vous voulez un ordre de grandeur, il faut faire 35 kills qui rapportent 5 points pour atteindre justement ces 175 points. Alors maintenant qu'on a parlé un peu des points, on va passer au mode de jeu, c'est-à-dire s'il faut faire de la solo, de la duo ou de la trio. Franchement, la trio, c'est le mode le plus simple et le plus rapide pour gagner des points. Il y a plus de monde par team, donc ça fait plus de points de kill. Par contre, faut avoir un bon trio qui peut te permettre de ne pas faire 10 retours au lobby en 20 minutes. D'ailleurs, petit conseil pour être plus fort sur la saison, je vous conseille d'aller faire quelques 1v1 avant de partir en air. Car je sais que beaucoup de personnes ont assez de mal avec le nouveau pompe, même s'il met de gros dégâts. Généralement, en début de saison, j'essaie de faire beaucoup de 1v1 en créatif pour justement m'habituer aux armes, parce que je sais pas vous, mais moi, si j'arrive en arène et que je rate toutes mes balles, ça va être un peu frustrant et je vais perdre beaucoup de fights. Donc, jouez en créatif un minimum, et quand vous sentez que vous êtes assez bon avec les armes de la saison, vous êtes prêt pour faire un maximum de kills. Donc maintenant, on va voir comment jouer dans les différentes rivalités. En ligue ouverte, je vous conseille de rush pour faire un maximum de kills. De toute façon, la ligue ouverte est de loin la plus simple et vous ne perdez pas de points de bus, donc c'est super simple. En plus de ça, plus vous rushez, plus vous progressez rapidement, donc on peut dire que c'est doublement bénéfique. Ensuite, quand vous avez vers 4000 points, essayez de jouer un peu plus safe. Bon, je vous dis pas de camper toute la game parce que ça n'a aucun sens. En plus de ça, si vous campez, vous allez vous faire détruire quand vous engagerez un fight, donc c'est pas terrible. Et quand vous arrivez vers 6000 points, vous allez devoir réfléchir pour prendre les meilleures décisions. Le but, c'est pas encore de jouer plus safe, mais de savoir quand on doit aller rush quelqu'un ou non. Dites-vous que un fight, ça doit vous rapporter quelque chose et pas vous mettre en difficulté. Bien sûr, on n'oublie pas de trouver un spawn et de le travailler. Le but, c'est pas de sauter dans la ville où on ne connaît pas les spawns d'armes et les coffres. Là, clairement, c'est du suicide. Moi, je vous conseille de faire un petit chemin de loot et de faire plusieurs games dans le même spawn. Par contre, tu peux travailler plusieurs spawns et varier en fonction du bus. Personnellement, j'ai plusieurs spawns, donc ça dépend du bus et je peux aller à plusieurs endroits. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais sortir des vidéos spawn pour l'arène et les cups, donc ça ferait extrêmement plaisir. Alors maintenant, je vais te parler d'une façon simple de gagner un peu plus de points. Ça va être de ne pas penser à ce fameux système de points. Ça peut paraître assez bizarre, mais chez certaines personnes, juste le fait de se dire que il n'y a rien en jeu et que au final les points, bah, c'est juste des points dans un jeu, et ben ça leur permet d'être beaucoup plus fort en game. Après, vous l'appliquez si vous le voulez, mais en tout cas, le mental est pour moi l'une des raisons des retours au lobby. Alors maintenant, on passe à quelque chose d'important, c'est l'échauffement. Certes, faut pas passer 30 ans en train de s'échauffer parce que sinon vous n'aurez pas le temps de gagner des points en arène, mais il faut s'échauffer un tout petit peu pour pouvoir être un minimum bon, pour avoir un minimum de niveau en shoot au niveau des mécaniques et pouvoir justement avoir un minimum de niveau en partant en arène. Alors on est directement parti. Maintenant, je vais te montrer un exemple d'échauffement qui dure environ 20 minutes. Donc en vrai, je trouve que c'est pas trop long, mais pas trop court non plus. Alors premièrement, on est dans la map de Rider, donc c'est la V3. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, du free build. Il y a aussi le Peace Control Tunnel que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous pouvez vous entraîner à faire un peu tout, mais je vous conseille de rester 5 minutes dans cette map. Vous voyez, là, c'est juste des petits tunnels. Vous cassez les murs tout en essayant de vous protéger et essayez de faire comme si vous étiez dans de vraies situations. C'est vraiment important. Ensuite, quand vous avez fait un peu de Peace Control Tunnel, vous pouvez aller un peu en free build. Vous pouvez aussi apprendre quelques retakes parce que la vitesse peut être modifiée. Vous pouvez la baisser ou plutôt l'augmenter. Ça, c'est comme vous voulez. Et il y a aussi un petit bot ici donc qui est dans sa box. Et le but, bah, c'est de le tuer et en prenant les murs comme en vrai game. Donc vous voyez, là, par exemple, il est là. J'essaye d'avoir la décale. Je le Peace Control avec un cône. Je rate pas ma balle et je le tue. Donc il y a vraiment pas mal d'exercices intéressants. Et maintenant, on se retrouve dans la map de shoot. Alors maintenant, c'est la map d'aim, donc le code s'affiche maintenant à l'écran, mais cette map, je vous la conseille pour entraîner vraiment votre shoot au pont. Donc comme vous pouvez le voir, on est ici et il y a des cibles. Le but, c'est de toucher un maximum de cibles en un minimum de temps, et comme le nouveau pompe est sorti dans cette map, eh bien ça va vous permettre d'améliorer votre shoot avec ce pompe, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens ont du mal avec ce pompe. Certains arrivent à mettre des grosses balles, mais d'autres n'arrivent même pas à toucher les ennemis. Donc si vous n'arrivez pas à toucher vos ennemis, c'est vraiment important de vous entraîner sur ce type d'exercice. Vous pouvez aussi mettre le mouvement mode et là, ben, il y aura des petites des petits trucs qui vont arriver vers vous pour pouvoir un peu vous gêner, et le but, ben, c'est de les esquiver. Par exemple, là, je dois sauter en même temps de tirer.
et vous pouvez aller super vite aussi. Moi personnellement, je vous conseille de faire encore 5 minutes de shoot, ça permet quand même d'être assez bon, mais faites que du shoot aux pompes au début pour pouvoir vraiment être bon aux pompes. D'ailleurs, au début de saison, je vous conseille vraiment d'améliorer votre shoot aux pompes et pas à l'air, etc. Parce que franchement, le pompe, c'est vraiment lui qui va faire le boulot durant un fight. Donc maintenant, avoir réchauffé vos mécaniques et un peu votre shoot, vous allez aller en 1v1. Donc je vous conseille cette map, franchement, je trouve que c'est la mieux parmi toutes celles que vous pouvez trouver. Il y a des maps bullfight aussi, mais personnellement, je préfère ce type de map. Et en vrai, cette map, les gars, je la trouve vraiment très propre pour vous améliorer. Regardez, il va essayer de... d'aller par là, hop, je l'initialise. Je sais pas si c'est que c'est mon cône. Et oui, monsieur, je le tue. Let's go. Après, vous pouvez bien sûr changer de pompe. D'ici, il y a le pompe auto et le pompe de guerre aussi. Mais je vous conseille vraiment de jouer avec le pompe ravageur au début pour pouvoir prendre la main sur la saison. Crac. Hop, j'essaye de vraiment m'échauffer en même temps. Petite balle. Petite balle encore. Je mets combien de balles? Let's go les gars, on va faire une troisième manche. Et vous voyez aussi, vous pouvez choisir entre avoir des PM, avoir justement des AR ou avoir les deux. Pour l'instant je me soigne tranquillement. Et donc du 1v1, je vous conseille d'en faire pendant 10 minutes. Comme ça vous êtes vraiment chaud patate pour partir en arène juste après. Comme ça vous avez fait 5 minutes d'aim, 5 minutes de mécanique et ensuite 5 minutes de 1v1. Oh là là, la patate! Let's go, les gars! D'ailleurs, les gars, petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est de prendre toujours les meilleures armes de la saison. C'est-à-dire que ici, entre le pompe de guerre et le pompe ravageur, je vais directement prendre le pompe ravageur. C'est le meilleur de la saison, donc je le prends. Et si je suis pas bon avec, je vais essayer de m'entraîner en créatif. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait super plaisir. Dis-moi en commentaire combien tu as de points en arène. Moi, sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était El Bambino. Allez, ciao!